Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Vous regardez Plaisir Créole avec Soleil Réunion. Bonjour à tous et encore bienvenue cette semaine, encore dans l'émission Plaisir Créole, l'émission où tous les créoles y trouvent votre place, l'émission où tous les créoles y trouvent bien entendu votre plaisir. Et ce soir encore ici même, Bassin-Labou, là où Samy ça va, dans un instant vous allez trouver, c'est là où beaucoup de gens y trouvent votre bonheur aussi, puisque énormément de gens y viennent cuisiner chez nous de plus en plus, hein, tous les semaines, alors quelquefois le mardi soir, quelquefois le vendredi, mais bref. En tout cas, nous découvrons tout ce qui est la musique de la Réunion et de l'océan Indien, mais aussi la cuisine de l'océan Indien et quelquefois la cuisine un petit peu d'en dehors, comme il dit. Aujourd'hui, nous savons connaître une cuisine, mais il connaît pas trop s'il est typiquement créole. En tout cas, on a une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose que bon nombre de personnes dans le monde entier cuisinent, c'est le canard, bien entendu, hein. Le canard est typiquement français, hein, apparemment, ou chinois aussi, parce que les Chinois cuisinent beaucoup le canard. Et donc, nous, ça fait aller un canard fumé, ouais, elle a été fumée directement ici dans la cour, et ben la fine fumée là aujourd'hui, puisque c'est Calix la fume, allez. Il va expliquer à nous comment il a fait pour fumer ce canard là depuis ce matin et ce soir. Mais il pense que ça fait un civé, parce qu'il appelle à moi tout à l'heure pour dire, moi comme ça, oublie pas prendre vin, mais pas n'importe quel vin, et vraiment notre vin local, notre vin pays ici. Je vais dire pas autre plus parce que l'alcool est interdit à la télé, mais on va voir tout à l'heure le vin que nous va utiliser ici dans ce civet de canard là. Bon, Mimi arrive, moi là, et puis après nous retrouve dans un petit instant. Allez, bon. Allez, à tout de suite. Et bien nous laissons ce soir ici même Bassin-Labou dans l'émission Plaisir Créole. Et quand créole il mange canard, boucané il respondit là-bas. Hein, Calix? Donc là, tu n'as pas boucané ça, fumé. Ah, fumé. Canard fumé. Canard fumé. Différence entre le boucané et le fumé. Mais en tout cas, les deux n'ont ce qu'on appelle un dénominateur commun. C'est quoi cette ambrilloudier là? La fumée. Mais hein? Après, c'est, je pense, dans une histoire d'épices. Dans une histoire d'épices. Poivre, la pointe. Ah, là-dedans, la pointe, rien là-dedans. Vous connaissez, fumée, la différence, c'est ça. D'accord, alors hein, là, ici, nous avons pris le canard depuis ce matin, on est là. Hein, parce que depuis ce matin, on m'a parti battre carré partout, mais depuis ce matin, on est là. Carré, on avait un peu chantier pour les voir le mardi. C'est toujours ma journée. Voilà, mais l'employé. Et où la reste là? Et qu'est-ce qu'on a fait avec le canard? Mala boucané un petit peu que poivrier. Oui. Et puis deux trois un peu feuillement, feuilletti parce que ma vie on cache tout le monde feuilletti devant là-bas. D'ailleurs, on a profité pour casser un peu les tiges, nous va voir tout à l'heure là, nous on le tige aussi aujourd'hui là. Aujourd'hui nous essaye un coup de tige. Voilà, et là on va mettre tout ça là, on la pendier là. Combien de temps un peu pour la pendier là? Ah ben 8 temps là. 8 temps alors. C'est pour ça que l'île est pareil un morceau de pain rassis presque à la limite là, mais croquant là, hein. Ouais. Et ce soir, qu'est-ce que ça fait à nous avec ça? Ben normalement, c'est quand on a fumé, d'habitude, fait toujours musical, créole. Mais ça, on peut mettre un petit peu de safran. Un petit peu de safran? Un petit tomate, un petit peu de gingembre. Ah ouais. Pas de civet, alors? Non, mais pas, l'alcool, si vous voulez, il peut flamboyer qu'un alcool fort. Ouais. Mais il n'est pas fait pour mettre le vin. Normalement, moins. Ben moi, dans l'introduction, m'a fini comme ça que ça fait un civet, mais tu ne connais pas, moi, bien ici, Calix, comme ça. Il ne fait pas civet avec ça, il fait carré. Il peut faire, la population était derrière. Un carré.
D'accord, alors, hein, les bourrins. Donc là, il était frais ce matin, ou la mettre le feu, sur le feu, ou la prendre un peu banzé les feuilles, feuilles litchi, feuilles mangue, et feuilles poivrier, que de nada la couleur ici, comme ça, ou la langue là-dessus, la boucaner, mon père. Et là, toute la journée, il a boucané, et comme ça. La Daniel l'a nettoyé. La Daniel l'a nettoyé un petit peu après, machin. Et là, elle a reprendre Diali comme ça pour faire joli, parce que la François, il y a la caméra, la balle l'attend. Ou la vie avec son nouvelle caméra, là, comment il fait son un petit peu. La 3G. D'accord, là. Donc là, un bon curry créole, canard fumé ce soir. Voilà. Et nous n'a pas que ça, parce que nous n'a aussi du poulet ce soir pour ceux qui mangent pas canard, parce que là, je m'ai appris de la cuisse de poulet désossée déjà, hein, chez un charcutier dans le fond là-bas, V, monsieur V, Jean-Pierre V, hein, que ça tout le monde connaît, ça devrait. Ici, ça fait sortir un petit peu. Ben. Et après, il paraît que Toto, peut-être tout à l'heure, Annie. Toto, il y a même un petit poitrine pour faire un rôti. Un petit rôti poitrine, comme ça. Ça plaît bien, moi. Après, on va toujours un petit paquet. Si il rate, n'est pas grave, ben, hein, parce que vous connaissez. Hein, à nous, le pas comme de Moni fait l'introduction de l'émission, à la fin de l'émission, nous fait au début. Au moins, comme ça. Ben, s'il a raté, il a raté. Voilà, hein, les vrais chez nous. Toto pour rien pour rater. Hein. Nous avons pas mal de personnes ce soir aussi, parce que de l'autre côté, sur la scène, ce soir, nous avons un petit peu. Tu vois, du théâtre. Du théâtre. C'est ça, François, du théâtre. Bien, voilà, François, il balance sa tête. Du théâtre ce soir. Hein. Du théâtre avec la troupe Véli. La troupe Véli. Véli. D'accord. Attends, quoi, notre balle, une troupe Malbar. Vous connaissez, qu'on appelle Véli. Ça commence pas un V. Tant que t'es pas trois. Non, même assez. Nous connaissons. Les bons. Ok, alors. Bon, ben, écoute, nous, ça va dans un instant commencer. Et puis après, nous va voir comment ça nous fait. Comment ça fait ou de canard, curry, canard fumé. Hein. Et le goût est complètement différent d'un canard normal que fait cuire. Hein. Quand il est fumé, déjà, il prend moins de temps pour cuire. Là. Ah ouais. Ah ben là, il fait une cuillère. Il a depuis bon matin pour bombarder. Il était plus près le feu, lui. Il est éloigné. Au moins, il ne brûle pas trop. Et puis après, un petit peu comme au Moyen-Âge, la viande a fini un petit peu faisandée, presque. Wow. Il finit rendre un petit peu son jus. Et la chia qui était un peu stressée par rapport à la coupe à lit, comme ça, vite, bon, là, il finit déstresse un petit peu. Alors là, il fait des têtes de pédale. Il est pour gay. Les pieds stressés, il est gay. Il est joyeux. Mais bon, alors, mais nous retrouver un instant à la cuisine, alors. Hein? Allez, il est parti. Citrouille, bret chouchou, bret chouchi, bouillon bret, sabouillon bret, bouillon bret, lamy magique, un gazon gris, bouillon bret, bret citrouille, lamy mou, bret morel, lamy marron, bret mouroum, savon mimou, bouillon bret, sabouillon bret, bret chouchou, lamy magique, un gazon gris, bouillon bret. Chudri, namet kari, na qui aime kari cabri. Chudri, namet kari, na qui aime kari le ton. Chudri. Namet Kari, mon poli. Kari poisson. Chidri, s'il est bien blanc, nous va mettre des haricots rouges. Si notre blanc dit pas les rouges, nous va mettre des haricots blancs. Et si nous tuons notre cochon noir, nous va mettre des haricots noirs. Sur le riz, sur le bord de nos assiettes, nous va mettre un rougaïman. Sur le bord de nos assiettes, nous va mettre encore un piment fort, mais bien écrasé. Et si le vent la carte nous pied de mangue, nous battre le mangue avec la craser. Et ce qui arrive pour le dessert. Amuse, maman, mange trop de litchi. Et ça qui aime boire l'eau de la source. Ici, pas 20 salazis. Moi, mon caf, nous a dansé après boire, café pays. Comment la trouve Montégorine, mi danse pas comme Bande Maurice. M'la choupèze ton rein, Caffrine. Ton rein, il tourne comme Zélis quand il a Thomas Loya. Bouillon bret, bret chouchou, bret chouchou, bret chouchou, bouillon bret, sabouillon bret, bouillon bret, lame imagine, un gazon gris, bouillon bret, bret citrouille, la langue, bret morel, bouillon bret, sabouillon bret, bret chouchou, lame ajoute, sur gazon gris, bouillon bret, caricanard. Bravo Calix! Bouillon bret, là, c'est bon, hein! Mais nous ne pas si ce soir nous avons un bouillon bret au menu, mais nous aurons des bret, hein Calix? Oui, nous aurons des bret dans tous les cas, et nous allons essayer de suivre un peu où t'es. C'est cool à dire? Conseil? Nawa, ben. Conseil en poésie. Ben, là, nous aurons des cochons noirs avec des haricots noirs. Non, parce que vous avez que tant de nénards ce soir, parce que là, nous avons des haricots rouges. Tout le monde amène des haricots rouges pour nous. Toujours haricots rouges. Ce soir, c'est quoi le menu là? Alors, ben là, normalement, on a canard. Oui. Alors, canard, normalement, il peut. Moi, quand il est fumé, il fait carré créole. Ouais. Carré créole, nous, pas besoin de dire. Il connaît que ça, il met dedans.
Après, Toto Diamant, il peut faire civet aussi. Mais chacun n'a son habitude de faire quand il est fumé. D'accord. Ce voilà. Soir donc, c'est. Ce soir, on a Karikana. 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 Bon. Après, pas. Toto, il fait une chose aussi. Hey, Toto, qui c'est le camarade de Yaoula là? Et ça, c'est mon petit neveu au café. Présente-moi un quoi. Comment on appelle? C'est qui? Yusan Kishnam Talu. D'accord. Et on a le plaisir d'être dans le canal austral. On a le plaisir d'être sur Mikone, on a le plaisir d'être sur le canal austral. Vous cuisinez un peu aussi, un petit cuisine, peu pas bon. Vous cuisinez, vous cuisinez, connaissez la cuisine. Ouais. Moi, je suis ma spécialité cuisine travailleur. Et cuisine en formation, c'est comme un service central. D'accord. Mais je fais beaucoup de choses à faire. D'accord, alors. Tout à l'heure, voilà. Explique à nous ça. Oui, bon oui. D'accord, alors. Tout à l'heure, voilà. Fais coucou, papa. Fais un petit coucou, papa et maman. Voilà, ok, d'accord. Alors, tout au coup. Mais oui, ce soir, on a le plaisir de présenter des produits, les faits de la Réunion. Ça, c'est un piment à la pâte et bébé Hervé qui fait. Oui. Après, il y en a son gingembre. Qui lui fait toujours son gingembre. Ou la piment à la pâte, il y a problème. Après, ce qui lui fait bien, ce qui lui fait bien, regarde. Là, les produits pays, toujours, c'est du boudin, c'est bébé Amin qui prépare. Avec son piment. Et là, il y a un petit lame piment, mais il est très bon. Après. Un petit lame. Après aussi, il fait des galantines. Là, il y a la galantine d'Aine. Et il fait aussi des galantines poulet. D'accord. Donc, j'espère ça. Si quelqu'un il veut, par exemple, s'approvisionner dans son charcuterie, il est pas trop loin, il est chez Sainte-Marie. D'accord. Mais vous dites pas comment ? Belle Bébert V. Comment ? Charcuterie Bébert V. Bébert V. Ouais. 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 Et là, ça. Cette cuisine, ce soir, mais c'est mon petit neveu, il va faire un petit porc frit. Porc frit. Porc frit. Voilà. D'accord. Donc, on a du porc ce soir, on a du canard ce soir. Et quand il voulait pas ça en reste, parce que dessous porc, là, la banane, la cachette. Hein, parce qu'il a dit, c'est pas lui qui porte la pièce, non. Hein. Les palais, à l'autre côté, là-bas. Oui, que nous l'affichez chez Jean-Pierre V, bien sûr. Hein. Ça ne sert pas. Allons bouillon, boîte, ça tombe là. Le boîte, ça tombe là. Le boîte, ça tombe là-dedans. Ça nie là-dedans, il a. Ça nie là-dedans. On va tenir à notre parole. Oui, à la boîte. Si tout le coup ça est fait, il mouille la bouche. Il mouille la bouche. Il mouille la bouche. Bonsoir. Ah, ce soir, nous avons la chance d'avoir les plus grands, le plus grand en tout cas, et les autres aussi, la grandeur, il peut aller. Et donc, c'est la compagnie, comme nous disait tout à l'heure, là, c'est un morceau de Malbar seulement, ouais. Ça n'a rien qu'un V. Ouais, n'a rien qu'un V. Contrairement à, des fois, mais à peine à trois V. Il commence par un V, voilà. C'est la compagnie Veli. Veli. D'accord, il ne m'a pas vu plus Malbar en là, mais. Non, grave, mais hein, l'esprit. L'esprit. Hein. Alors, qui sommes là comme ça? Eric. Hein, Eric, nous oui. Vous connaissez bien maintenant ce canal austral, Eric. Hein. Oui, deuxième fois, il vient avec tout le grand plaisir d'être là avec Zot. Et surtout, à soir, mais il pense que. Il ne pas tellement pas goûter le carré canard. Hein. Ah, on dit comment canard. Ah, mais du canard. Ah, ben. Mounéo, moi. Il sort un peu d'allô. Oui. Alors, Evelyne, Martinet, oui, la rouge aux yeux fauves. Voilà. Vous laissez l'autoriser, vous avez ça. Hein. Ah, oui. Non, c'est un extrait de poète de Veille à ça, la rouge aux yeux fauves. Ouais. Isabelle Béatil. Oui. Voilà. Patrice de Cubert. Qui bat un peu aussi, je suis le rouleur de temps en temps. D'accord. Et puis là-bas, nous on a Yolande Petre. D'accord. Voilà. Hein? Et nous on a un PDG. D'accord. Un planteur de géranium. Un planteur de géranium. Tout à fait. Voilà, exactement. Et lui, c'est Régis Nazivelle. Régis Nazivelle. Et donc, toute cette troupe-là s'appelle la troupe. La troupe Veli. Alors, Veli, en fait, ça vient d'un mot tamoul, Veli. D'accord. C'est étoile 4 heures, c'est l'étoile de l'amour. D'accord. Et comme nous parle de l'amour. Ah oui, si m'y pense. Ah, ben, il aime bien ça. Donc, voilà le Veli, parce qu'en plus, les pêcheurs de la Réunion, pour entrer au port, ils prennent comme point de repère Veli. C'est l'étoile qui brille jusqu'à le plus tard, donc il permet aux pêcheurs de rentrer au port. Vous connaissez que l'étoile 4F, elle a aussi l'étoile viagée. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, ça, tout ça, c'est pour ça que nous avons pris Veli, comme, parce que nous aimerions être une petite étoile qui porte la poésie réunionnaise. Loin dans le ciel. D'accord, ok. Nous allons voir tout au long de la soirée, est-ce que vous êtes capable de porter. Oui, ça, hein? oui. Sur votre dos, sur votre tête aussi, hein? Parce que ça y porte de la tête, la poésie. Mais la poésie, si vous, nous, de, nous, tête, nous peut faire un spectacle de deux heures, si vous voulez, ce soir-là, hein? Donc sans problème. La scène n'a pas les parquets. Oui, mais voilà. Et nous, je suis préparé. Vous l'avez entendu un petit morceau avec Bouillon Brette et un texte de Jean Albany qui a été mis en chanson. Mais nous, c'est une façon à nous de dire ça, il me trouve que, voilà,
Nous essayons de faire vivre la poésie réunionnaise. Mais bon, et Brad Lacour, bien entendu, Calix, hein. Oui, oui. Hein, mais il vient d'aller couper. D'ailleurs, là, ben. Sur moi, derrière, raison comme ça, il y a ça, mais hein, ah, c'est, après, banane, il mange canard, je ne vais pas boire. Et là, ça, c'est pas, c'est des brades de choutine, mais banane, il appelle ça le pétail. Non, il n'est pas tout à fait le pétail, un maillage de pétail. Ça doit avoir la plante 4h du matin, même. Oui, ça, j'ai vu. Les bons, alors, et Toto, ce soir, il ne reste pas à se faire cuire, parce qu'il n'a ce qu'il n'a à faire. Ah non, c'est ça, c'est Calix, il goûte un peu son menu. Ouais. Et puis, bon, Lily présente un petit peu son petit truc là. Bon, mais pas sera bon, on va passer une bonne soirée. D'accord. Et merci encore, Canal Austral. Les bons, alors, ok. Ben, allez, dis, big up. Nous, ça va alors. Allez, allez, nous, ça va alors. Hein. Les bons, on est parti, hein. Les bons, ce soir, j'ai de la poirière au géranium là. Si, Nana, quand même, un boucle, tiens, une petite poésie sur le géranium. Hein. Ah bon. Ah oui, oui, oui. Axel Gauvin avec les. Axel Gauvin, hein, oui. Voilà, voilà, exactement. Les bons, alors, ok, allez, nous cuisine alors. Allez, nous, on va y. Les graines sur les coques. Midi, à cause de la première poésie, vous faites ça en poésie. Mais il faut trouver. Non, peut-être nous va demander ça. Une poésie sur les graines. Quand on enlève un petit grain là, dans. Comment il appelle ça? Comment il appelle ça? Comment il appelle ça? Nous, des graines. Nous, des graines. N'est peu dit des piottes, n'est peu dit des gousses, n'est peu dit. Écosse. Écosse, c'est plutôt pour petit poire. Ouais. Petit poire. Ah, moi, je parle pas de l'Écosse, ils peuvent penser à moi un petit poisson un peu alcoolisé. Ah, moi, l'Écosse, j'aime bien l'Écosse. Autant moi, la tisane écossaise, là, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est des haricots jaunes. Hein? Dis pas que les jaunes, les rouges. Ah, les rouges. Ouais, voilà, les rouges. Je me dis, tu peux tendre. Aussi, et il cuit vite, ça. Hein? Ben, j'espère, parce que sinon, la fin, moi, ça. Mon minuit. Non, il cuit vite, ça. On va y aller mettre tout là-dedans. Ben, c'est bon là. Ben. Tout le couper là. Là, la fille couper alors. Non, mais pareil. Là, il la pose pas à ça. Montrez comment on prépare ça. Là, il faut couper ça un petit morceau comme ça alors. Hein? Après, ça mettre un peu. T'as lui mettre un peu de charge dedans. Ça me fait poivre frit. Oui. Sel, poivre, quelque chose. À l'huile. Oui. À passe en feu. Ou passe au feu après. Voilà. D'accord. Hein? Après, c'est frit de rose, on met un petit peu de cerf. Le cerf, on met tout de suite ou bien on met un petit peu après ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ça sera un petit peu salé. Oui, oui. Voilà. Ben, bon. Donc, c'est un porc frit, là, où ça fait, hein? Un porc frit. Croustillon. Oui. Voilà. Hein? Oui. C'est ça, hein? On est bon tout le marché avec un. Non, mais il y a un petit peu. Hein? Mais il y a un petit peu parce que les premiers jours, il vient ici, il n'est pas trop habitué, il ne connaît pas bon produit. Il connaît pas bon produit. Après. Canard, coupé là. Ça coupé ben. Eh bien, canard, là, reste 8 heures dedans ici. Ça fait 8 heures dedans, il est cuit déjà, donc tu vous as trop fait cuire. Non, passez un petit coup à l'huile, mettre sur les épices. Tout fallait faire cuire tranquille. Ouais. Petit cacaole. Les rats nous manquent, canard créole. Ah bon, d'habitude, moi, je suis fumé. Quand les fumées, ben, ils peuvent faire s'y si Toto, il dit à moi, mais moi, je n'ai pas l'habitude. Ouais, ouais, ouais. La goutte est au créole. Mais bon, ma vie, on la prend 4 épices là, là. Ben. Donc, les 4 épices, c'est pour la, le canard. La, parce la, que dans, dans le canard, tout le temps, il y a 4 épices. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, hein. Ben, ben. Ben, ok, mais là, ça vous prépare le canard, alors. Il faut avoir un bon coupé. Nana, là, nana. Là, le porc, là, on va mettre quoi? Sel, poivre et. Oui. D'accord. Après, passons au feu. Passe au feu après, d'accord. Vous préférez feu de bois ou bien feu à gaz? Bois. Feu de bois. Oui. Mais de l'huile bien chaud. D'accord, les bons. Voilà. Que soit parti là. On fait une vieux scellé là. On fait une vieux stock de bois scellé pas tiré rodé alors. On fait une stock scellé. Dis, on parle de la poissie. De toute manière, il faut mettre dans un coup de main. Ben oui. Donc, vous connaissez les deux, même ça trappe moi-même. Les bons là. Et hey, là, on va mettre le porc au feu là. Ouais, le porc au feu là. Ouais. C'est bon, Léon. Regardez, passez la cuillère dedans. Passez la cuillère dedans. Quelqu'un qui dit passez la cuillère dedans. Cuillère, ça plaît. Cuillère. Ah, vous faites live là. Vous faites live. Vous avez une méthode pour faire live, Calix. Ah, mais il y a toujours étonnant. My pom. Voilà. Et là, le canard, il est là quand le coupé. C'est pour monsieur Calix. Monsieur Calix, vous faites le canard pour monsieur Calix. Le canard fumé. Voilà. Et un bégol. Voilà. Et Toto, là-bas, il fait les épices. Hein? Épices, ouais. Voilà. Prépare la viande porc. Et prépare les épices. Pour la viande porc, ça alors? Voilà. Petite,
D'accord, attention de boire. Ah, maman, aide, je vais pour quoi ça y est. Vite, c'est quoi. Maman, elle a les gars, pas les tacs pour près dessus. Là, il passe à côté. Maman, elle a un peu de temps en temps pour où. Non, ça va, elle est bon. Vous maîtrisez. Viens, aide là. Viens, aide. Vous maîtrisez ça. Et ben, bon, il est, c'est vraiment son travail, hein. Ça, c'est maman, il adore tellement de télé, il est content d'être là aujourd'hui. Et regarde comment il fait au plaisir, il a sa jambe, il est cuisinier, lui, hein. Il est cuisinier, petit, hein. Ah oui. Ah, bah. Et à quel endroit? Et un jour, il va peut-être faire son équipe, ni faire l'émission. Mais bon, alors, d'accord, hein. Ouais. Et le porc, il joue là-bas, hein. Il revient, là, le porc, hein. Il fallait le temps de revenir, hein. Le porc, hein. Là, vous laisse frites, bien rose. Ça pourra bien rose, hein? Ça pourra finir. Pourquoi finir là, hein? Ouais. D'accord. Ça est bien joli rose. Ouais. Un peu mettant un petit peu l'eau pour les tendries. Ah, pour la tendrie, ouais. D'accord. Mais bon. Et après, mettre les épices à la fin alors. Oui. Pas les épices que autant de feuilles là, parce que moi, j'ai autant de les épices. Là où tu as moins de recettes, machin. Là, t'as l'idée. Mais pas quoi, c'est dans le télé. Non, parce mais. Timide. C'est lui qui fait des bêtises. Eh, il y a de la housse pour piloter les épices. Hein? C'est tout. Ah, comment on va dans ces pistes là? Tu sais, Toto il fait plaisir de tout mélanger. Oui. Et canal Stral. Oui. Me dit première fois peut que je mangeais. Oui. Mais me dit allez, merci beaucoup. D'accord. Voilà. Ok. Mais, bon alors, hein. Et c'est où la famille un peu? Non, ça ne peut pas les. Il connaît bien fait la cuisine. Ah, ouais. Et après, c'est une famille de cuisine, ça. C'est une famille de cuisine. Ah oui, depuis. Ça remonte longtemps, vous êtes toujours été dans la cuisine. Génération en génération, c'est tout à fait normal que ça se gagne fait. D'accord. Elle n'est pas moins bien sûr pour apprendre les autres. Donc elle se mange bien là. Miss Père. Et Calix. Parce que Toto, à chaque fois on est là, c'est pas ça passe à vous mal, hein. On mange bien. Oui, mais c'est pour moi, mais. Mais on est là. Comment nous dit ça, nous, Espère cuit. Aspire cuit. Ah, mais à soi, mais Espère cuit, moi. Aspire cuit, à soi, alors, hein. Et Calix, il y a l'ail. On se voit la vie, Calix, il y a l'ail. Calix, il débrouille bien. Ben, pourquoi arrive à l'ail? Sans tarder. Ouais. Bien là, hein, comme ça là. Ben là, bien mettre ça, canaille, ça crase là, il a quoi. Ah bon? Ben. Le canal est noir là, Calix. Le canal est noir, il y a là, le canal est noir, il y a ni noir là. Il n'y a ni blanc là. Ça pour mettre, pour masser la viande. Comment il prend la lumière? Dame-moi la couleur, dame-moi la couleur. Dame-moi la couleur, même dans la nuit, nous avons. Même banal de monde a dit, mais connais plus haut, Calix. Ben, la couleur est sans Dieu. Tu te laves le bread là, alors. Lave un petit peu le bread, là, ça y est pour faire sortir après. Ouais. Pas tout, après quand il lave, nous mangeons ce soir. Nous mangeons chaud. Ah. Donc, fais un dernier moment. À la minute. Ben, hein. Ben. Comme resto même. Voilà, et moi, et à où coupe même la viande, hein. Ça c'est les cuisses de poulet désossées, hein. Voilà. Ça c'est le poulet fait sauter. Sauter, pour faire sauter, hein. Et bon, boîte, vous pouvez juste tirer. Voilà. Voilà, hein, voilà. Quand tu fais une boîte comme ça, ou? Non, mais non, la côte, pas être comme ça. Papa, tout n'est pas ça. Il connaît pas où ça rentre toutes ces bonnes brèves comme ça. Allez, toutes les semaines, pour mettre des oui, toutes les semaines, il y a un produit nouveau. Voilà, ben, c'est ben. Dans la couronne. Oui. Brèves, ils changent toutes les semaines. Toutes les semaines. Brèves, les mutants. Mais après, hein? Mais après le brède là, de toute manière là. Fait comme vous voulez, bois de reste, bois de il passe partout, passe partout. Là-dedans, on est à 80% d'eau, hein. Ben, hein? Voilà. 10% de fibres. Voilà, et les, ouais. Enfin, 5% de fibres et 5% de goût. Mais on voit pas quand il fait. Goût, il y a pas beaucoup de goût, c'est aux épices d'ail le goût. Voilà, c'est les épices. Quand on fait un fricassé là, au coup votre marmite peut vous mettre de l'eau du tout. Et les fibres, les 5% de fibres qu'on trouve à l'intérieur. Hein, et ben, elle est importante parce l'importe, que le porc a besoin de fibres. Ah, les intestins. Imagine quelqu'un qui boit seulement. Ou boit un bouillon tous les jours. La porrière tient bon. Voilà, parce qu'il n'y a pas de fibres. Hein. Ben, hein. Oui. Par contre, les brèdes, lits, c'est 90% de l'eau. De l'eau. De l'eau. 5 poissons, ben. Disons 5-10 poissons fibres. Voilà. Et vous connaissez que le corps humain est constitué de combien de pourcentage d'eau? Pas de 75, 80% d'eau. Oui. Le reste, les 20%, c'est de la matière. La matière. Voilà. Ouais. Hein. Et le bras n'est pareil, hein. Sauf qu'il y a 90% de l'eau. Hein. Hey, c'est pour ça qu'il pousse vite, comme les salades. Ben, il ne peut pas dire que nous sommes comme un pied papa, justement. Non, le papa, il étonne. Nous, même 80% de l'eau, nous peut dire nous de bout. Voilà. Nous tiens la route. Nous tiens la route. Hein. Donc là, actuellement, on est dans le poulet qui est en train de couper. Et, comment t'en fais?
Et par écrit nous-mêmes, j'arrive pas à faire un petit peu vieux. Ça, c'est la troupe Véli, que la dégossée, la dépiotée, la. Comment on l'a dit encore? La dégossée. La dégossée, elle nous voit là, elle est en train de dégosser. Ah, ben là, il faut mettre dans le. Dans la poubelle. Dans la parce poubelle, mais comment il faut la balance, pas ça. Hein. Ils mettent dans le compost, je ne connais pas qui vient avec, mais c'est compost. Non, on dit compost ici. Ah, mais voilà. Voilà. Ici, à Bassin-la-Boue, tout. Les jamais jetés, les très toujours bien. Réutilisés. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, y croire. Hein. Voilà. Ouais. Ouais. Un recyclage, j'appelle ça. Hein. Complètement. Aïssan. Oui. C'est bon qui marche là. Oui, c'est bon. Ça va, ah, il est joli, il est bien fait. Bien fait. Ouais. Hein. Là, je pas. Là, il pas. C'est quoi ça? C'est de l'eau. Oui. L'ail, le jaune, le poivre, le sel. Et après, une instance en même temps. Une mixture tonnerre, ça? Ah, hein? Ben c'est. Un petit coup là, m'a mal compris. De l'eau, Bon. De l'ail, voilà. Du sel. Sel, oui. Poivre. Poivre. Et un petit peu de girofle. Un petit peu de girofle aussi, alors? D'accord, oui. Alors, elle est bonne. C'est quand même un peu rôti. Oui, donc ça fait un rôti là, alors, hein? Oui, quand voilà. Même un peu rôti. Donc là, la viande, là, elle est en train de revenir là. Voilà. Et après, bientôt, elle est bonne. Bientôt, elle est bonne. Hein? Bientôt, là. Tu connais pas ça, hein? Non. Pas autant de gris comme ça, hein? Un jump. Kali qui connaît. Jumper. Un joli jumper, c'est quelqu'un qui sonne beaucoup. 5. Ah ben. Que on coupe pas. On apprend des choses là. On a plus de germes. Pour sauter. Sauter un germe dedans. Essaye. Essaye, on lève, allez. Ben, et... Ils ont même maman là. Hein? Ça va en cuisine. Il donne un coup de main, on a plus une dizaine d'oignons, hein, ça, ça n'était pas de 5 oignons. Non, non, pas l'ail. L'ail? L'ail m'a fait mon oignon. Ouais. Oignon pour faire sauter. Ah, donc, on coupe oignon, oui. Alors. On coupe pas le oignon. Oui, plus seulement. D'accord. Oui, mais il allez. Wilson, vous voulez finir rajouter toute mixture dedans ou là, alors? Là, j'ai rajouté même ces pistes dedans. Là on la rajoute avec dedans, voilà. Et là on laisse cuire. Oui, pour cuisson, pour l'étendre. Pour cuisson, hein. Voilà. Généralement, nous épices tout avant, après nous rajoutons de l'eau pour la cuisson. Et où vous rajoutez toutes les épices dans l'eau de la cuisson. Voilà. Hein, les mieux alors. Là, il faut laisser cuire. Il faut laisser cuire. Pas trop longtemps. Pas trop longtemps. Ouais. D'accord, alors, les bons, là. Hein. Donc ça, c'est un grand... sera ça un petit peu joli. Oui. J'ache un petit peu zone vert. À voilà dedans. Et joli. D'accord, un petit peu baissé, bien joli, voir la couleur. Ah, voilà. Voilà. Et donc parce qu'il faut que quand on mange, on a aussi la couleur que les jolies. Voilà, comme voilà. Ça. On mange avec la bouche, mais on mange aussi avec les yeux. Et comme ça, on est dit ça. Hein? Goûte, mange. Goûte, voilà. Voilà. Hein? Ça, c'est pour voir les yeux. Vous voyez qu'on est dans les personnes, qu'on a affaire, tout cela. Hein? S'il n'a pas une maison, on ne met pas. Ouais, ouais. Pas un petit peu comme ça, voilà, pas bon. Ouais, qu'on ouais. A beaucoup de personnes, mettre un petit peu de zone ouverte, un petit peu de persil, comme ça, ouais. Joli. D'accord. Mais vous pouvez mettre le thym dedans. Hein? Le thym. Si. Là, ça y est. Le thym dedans, hein? Voilà. Là, mais ça dépend, mamie. Dans l'eau, là, mettre le thym, bien, c'était avant le thym. Voilà, ça dépend de ma mythe, mais je vais chercher. Ah, là, ça va être le thé alors. Voilà. D'accord, alors, ok. Ça, après, faille. Les bons totos, on va mettre le thé après, alors, hein. Tiens. Eh bien, on a trouvé quelqu'un pour les bread. Hein. Caluc. Oui. T'as pas peur? Non. Hein? Eh ben, n'a pas vu comment la fini la dawe un petit APHI bread. Moi, je me disais. Ça, ben, n'a habité tout qu'à été bread. Parce que là, il y a du vert et du rouge. Ah, c'est ça. Donc, le vert, le rouge, généralement, ça fait du jaune, non? Oui, quand on mélange, oui. Voilà, quand on mélange, oui. Hein, parce que quand on est un petit peu peint, on sait que... Voilà, les couleurs primaires, on appelle, voilà, d'abord. Oui, et ça fond de là, non? Non, là-dedans, mec, pas. Nadeza. On dirait que tu fais ça tout le temps. Qu'est-ce que je vais être?
tout le monde doit manger. Oui, quel que soit sa couleur. Et d'habitude, tu cuisines un petit peu. Je ne suis pas une grande cuisinière. Oh, bon, voilà, non, c'est pas vrai. Tu cuisines obligatoirement. Bah, un petit peu. Hein, ta spécialité, c'est quoi? La choucroute. La choucroute. Mon Dieu, la choucroute. Oui. Le tian de courgette. Et le tian de courgette. Le tian de courgette, je connais. Le tian de courgette. C'est chinois, ça? Non, c'est provençal. Je ne suis pas du tout provençal. Ah, je sais. C'est de l'huile d'olive avec une courgette dans lequel on met au four avec un petit peu de thym, de sel, de poivre. C'est pas comme ça que je fais. D'accord, mais moi j'étais en Provence l'année dernière. Non, mais je sais que c'est un plat provençal, mais c'est pas comme ça que je le prépare. Alors, je fais revenir les oignons, bien sûr, et après, tu fais un bouillon en quelque sorte. Avec les oignons, tu mets aussi un petit peu de. Comment de. Ah, je trouve plus le nom. Le truc de avec la viande, là. Un bouillon de viande. Ouais, voilà. Voilà. Et ensuite, tu mets beaucoup d'eau. Tu laisses cuire un petit peu et ensuite tu ajoutes le riz. Du riz rond. Du riz rond. C'est pour ça que les créoles. On n'a pas de riz rond chez nous, on n'aime pas les riz ronds. Eh, ça je peux te le dire parce que ça a posé un problème au sein de Véli. C'est fait seulement pour faire une paella éventuellement. Voilà. L'oncle Sam. Non, l'oncle Ben, excuse-moi. Non, mais après. Ceci dit, je vais dire franchement, je ne mets plus de riz rond depuis que je suis ici. Plus de riz rond depuis ensuite, la région, tu fais une. Une béchamel. Une béchamel. Avec. Mais... du basilic, c'est oui. Ça qui donne le goût du voilà. Tien. Et du basilic. Le béchamel, c'est quoi, hein? Oh alors là, moi, j'ai pas de secret particulier. Ah si, il y en a un, mais je le connais, mais je le fais pas tout le temps. Ah bon? Il faut absolument que quand tu mets ta farine, il faut que le beurre, qu'il y ait assez de beurre fondu pour que la farine soit très vite incorporée. D'accord. Et normalement, ta béchamel n'a pas de crémeux. D'accord. Hein? Mais tu sais, je patate juvent à l'intérieur. Ah jamais, jamais. Même pas un petit peu de cannelle, rien du tout. Ah bah après, c'est pas de la cannelle, c'est de la muscade. La muscade, pardon, excuse-moi. Ouais. T'as un créole comme ça, parce que je ne connais pas trop ce que c'est. Ouais. Hein. Et donc après, avec ça... Alors, dernière touche. Normalement, tu ajoutes de la crème fraîche, mais... Crème fraîche, et puis il y en a qui mettent un peu de gruyère pour le faire gratiner, mais moi je trouve que ce n'est pas nécessaire. Et encore un peu de basilic dessus. Et normalement, les gens aiment. Et est-ce que c'est un plat principal ou un accompagnement? Tu peux le faire comme plat principal parce que c'est copieux. Hein. Mais il n'y a pas de viande pour les végétariens, c'est très bien. Mais après, ça peut être un accompagnement si tu fais une viande à côté ou. L'autre jour, je l'ai fait quand Vélie est venue à la maison. Oui. Et j'ai mis du poisson dedans. Du poisson à l'intérieur. Ouais. Il y avait du saumon et de la légine. Parce que, hein. Il paraît qu'en Provence, là-bas, quand vous faites tout ça, il y a une heure qui est bien prise. Ça s'appelle l'heure de l'apéro. C'est vrai, ça? Mais moi, quelle heure? Bah, midi, bien sûr. Midi, peut-être soir. Avant même. Et il paraît qu'avant l'heure, c'est pas l'heure. Mais ça même. C'est fou, là. Hein. Avant l'apéro, quand l'heure n'est pas arrivée, on ne boit pas, on ne sert pas l'apéro. C'est sacré la pomme chez vous. Enfin, moi je vais dire, je ne suis pas du tout provençale. Hein. Ah, bon. Ah non, pas du tout. Ouais, je t'ai dit que ma spécialité c'est la choucroute parce que ma maman est alsacienne. Alsacienne, ouais. Et moi j'ai vécu toute ma vie dans l'Ouest. D'accord. Voilà. On va dire que tu sais. Et maintenant ça fait 20 ans que je suis ici, alors tu sais. Et même 20 ans ici, tu sais comment faire monter encore le chou? Ah non. Non. J'ai jamais fait. Non. Je ne suis pas du tout alsacienne. Ok, merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. C'est bon, là, on fait revenir le canard. Hein. Le canard, pas vraiment revenir, mais là, gagne dans l'huile, ouais. Mettre sur les pistes, parce que ça, il faut pas faire revenir trop, ça. Ouais. Parce que sinon, il va bien chier. Dis bien, tu veux. Ça va bien. Ça va bien. Là, tout à l'heure, on va le canard. Ça c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Alors, oubliez ça. Oubliez. Hein? Les Gaulois, soyez là. Je peux revenir, allez, après les épices après. Voilà, je vais vous dire comme ça, regardez, c'est un beau petit travail de l'hôtel. Je me calise, tout le temps, fait la cuisine, mettre ça sur vous. On pense à moi. Jacob, bonsoir. Stéphane. De toute façon, hein, il faut penser aux anglais encore là. Stéphane Piazza. Ah, Piazza. Encore. Stéphane Piazza, là. Ça, c'est pas son nom, ça. Si. Il est bon de la case, c'est le. Stéphane Piazza. Pas le même. Ah, pas le même. Pas le même, ben. Canard, il revient, ouais. Hein.
Cana, il revient, mais il ne faut pas laisser. On la rajoute un peu dedans, dedans. Alors, on rajoute les oignons là. Là, les oignons, on instant mettre là les gingembre. Un petit peu le thym aussi. Là. Ben, puis un petit feuille 4 épingles. On passe à 4 épingles. Ah, il a eu. On arrive là. Ok. Hein? D'accord. Oui. C'est bon, hein. Et vous arriverez bien à mixer en régie là-bas du théâtre, hein. Oui. Ouais, ouais, c'est pas comme la musique. Non. Mais j'ai déjà fait du théâtre. Ah, tu as déjà fait. Oui. C'est toi qui faisais du théâtre avant? Non, c'est moi qui mixais pour le théâtre. Ah, d'accord, d'accord. Mais bon, hein. Et comme d'habitude, la question fatidique, est-ce que vous connaissez que ça mange ce soir? Sylvie Canard. Non, c'est Carrie Canard. Carrie Canard. A changé en cours de route. Ouais, elle a changé en cours de route. Ben, Canard reste Canard. Canard reste Canard. Hein. Après, on a du poulet. Oui. Un petit sauté de poulet. Et puis, on a du porc aussi. Mais en rôti. Ok. Des cocktails de porc. Wow. En rôti. Hein. Ouais. On a fait manger. Et qu'on trouve là, regarde ça. Hé, regarde bouteille là, comment on est là. Hé, elle a dit, faut pas tirer la poussière. Faut pas tirer. Faut jamais tirer la poussière. Jamais tirer. Mon bouteille, il a la poussière dessus. Donc, il connaît. Voilà, il fait un moment lié là. C'est un roulement boostant qui vient de Madagascar et que. C'est bien lui-même. Ah, lui-même ça, ah, lui-même ça, lui-même ça. Hein. Bien j'ai entendu, ça... l'alcool est à boire avec modération. Ben, qu'on met dans... J'ai ça un petit peu pour tirer le dé à le gibier. Voilà, hein, voilà. Hein. Là, s'il n'a pas boire quand il fait du vent, là. Ah, là, il boit, puis il a pas. Là, il boit, puis il a fini. Hein, après, fini. On a boire pour lui. Ben. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais là, l'alcool est parti, là. Hein. Ben. Ben, vous l'avez, nous ne boit pas trop l'alcool, nous, ici. Ouais. Depuis combien d'années, ça. Ben. La couche, la poussière. Ouais, ouais. Pour ici. Comment Ben Bouglé, il travaille dans le laboratoire, là. Hein. Il mesure avec où la couche, là. Il dit, combien d'années, bouteille, là, il dort. Il dort, bon, ben. Calé, tu veux mettre tomate dedans là, alors. Oui. Hein? Ah, écoutez, là, en tout cas, la couleur est jolie. Hein? Et la couleur, là. Le safran, n'est pas long. Ouais. Après, il faut nous voir de la cuisson. La cuisson, après. Hein? Cuisson, il faut nous voir d'après. Là, il est bon. C'est bon, hein? Parti, là. Donc, nous répétons un petit peu qu'on fait revenir le canard fumé. En fait, il n'est pas vraiment fait revenir. Vous l'obligez, sauf de l'huile, l'agle, le canard dedans. Oui. Mais il ne faut pas revenir à y trop parce qu'il y fond. Ouais. Et puis il dit ainsi, comme il est déjà fumé, il est rosé. Hein? Ben après, on laisse un petit moment dans l'huile. Ouais. Quand il commence l'arc de l'huile, laisse pas il l'arc trop de l'huile, l'arc d'épices. Après, madame la tomate, mettre un petit peu de gingembre, les oignons, le thym, ouais. 4 épices. Ouais. Sel poivre, pourquoi? Sel poivre, fini. Ouais. L'ail aussi. Là, ils ont les gingembre qui viennent mettre aussi. Avant tomate. Ah, on le fait la créole là alors, hein? Voilà, créole. Voilà. Et tomate après. Tomate après. Et voisement que cumin, on ne met pas dedans. Non, je dis non, parce que, comme dit Toto, qu'il y a cumin, normalement, nous là, nous bonnes malbas, nous mettons quelques cumin dans tout carré parce qu'il prévient certaines maladies. Uh-huh. Là, aujourd'hui, il n'y a pas besoin qu'on finisse mettre tomate, l'ail, les oignons, les gingembre et poivre, ouais. Tomate. Ouais. Pas obligé de mettre ça. Bon, là, il est bon. Et carré, on lui. Et carré, hein. Il est bon, alors. Ok, Mimi, reviens à l'instant, là. Rebond. Attendez, pour l'arrivée, là. Ah, on peut le sauter, maintenant. Oui, mais ici, tout le monde met la main à la pâte, ici, là. Oui, mais. Ben. L'instant, c'est bon. L'instant, c'est bon, hein. Patrick Coyari, là. Il y a besoin, il y a envie de faire, là. Vous connaissez le travail en collaboration, nous. Hein? Ben, comme un sens de la roue, un sens de volant, ben, chacun son travail. Là, le canard est bon, hein? Le canard est noir. Le canard est presque bon, hein? Il est bon, il a fait bon, c'est cuit. Il est bon, là. Il est cuit, là. Après, ça n'a pas donné faux bois noir, hein? Ça n'a pas donné faux bois noir. Oui, Claude, là, vous sentez bien, vous convenez? Ah bon? Magado. Ça, c'était l'ambiance, là. Eh, ma danse tout seul. Eh, Calais, c'est comme vidéo, ils ont, Claude. Ma danse tout seul.
Donc, comme m'a dit, en cuisine, il est le meilleur. Là, les villages chantent. Où des mondes. Bon, il paraît la théâtre, pas besoin de rajouter. Allez, ouais, théâtre. Théâtre ici. Au Tessarda, tu es la roule à nous, ton joli cosme, entraîne-nous dans la boue. Au Tessarda, tu es la roule à nous, ton joli cosme, entraîne-nous dans la boue. Quand Sardal arrive de France, soi-disant pour libérer à nous. Mais toutes esclaves la reprendre confiance. L'embrasse la terre. La marche à genoux. Toi l'as dit, fais pas des ordres. Chien méchant va perdre envie de mort. Ne fais d'un calme, ça l'a pas bon. Mauvais maître va nier bon patron. Au Tessarda, tu es la roule à nous, ton joli cosme, entraîne à nous dans la boue. Au Tessarda, tu es la roule à nous, ton joli cosme, entraîne à nous dans la boue. Sur la terre gros blanc jusqu'à Zordi, la cloche y sonne ensemble belli. Quoi faire des esclaves dans le temps longtemps. Madame des Bassins, les encore vivants. Zordi, esclaves de Kier dans le port. Les esclaves maçons fanés partout. Non, l'esclavage n'est pas bien mort. Sagariga, tu la roules à nous. Au Tessarda, tu la roules à nous, ton joli cosme, entraîne à nous dans la boue. Au Tessarda, tu la roules à nous, ton joli cosme, entraîne à nous dans la boue. Mais la poésie, c'est un bon tuteur, non? Ah ouais, en fait, c'est ma bulle. Et en fait, ce que la première main, bon, on m'était enseignante avant. Pendant que j'étais enseignante, m'est arrivé à dégager à moi pour aller à la répétition. Ouais. Voilà, changer de boulot, m'y travailler dans l'éducation populaire, pareil. M'a prévenu que tel soir, moi, elle n'est pas disponible parce que moi, on a ma répétition dans le sud. D'accord. Et il a fonctionné comme ça, elle est géniale. Quoi. Et, alors, juste quelque chose, ouais. Un truc que m'a jamais compris, mais bien sûr qu'on peut éclairer à moi, hein, mais vraiment, ouais. M'a jamais compris. Hein, parce que quand on fait du théâtre comme ça, c'est des textes, et des textes, et des textes. Comment vous avez fait pour retirer ces textes-là? Ah ben, c'est des techniques. C'est purement et simplement du travail. Ben, nous, après, nous vient aux répétitions régulièrement. Du travail. Voilà, du travail. Voilà. Et du travail un petit peu à la et maison. Et la case à la maison, obligé voilà, de voilà. Travailler un et petit après, peu. Et après, sur scène, ben, nous met en place. Nous confronte à nous avec le jeu de scène, avec l'autre. Avec, et quand il arrive à vous d'avoir un petit trou de mémoire en sur scène, hein, est-ce que c'est l'affolement ou bien sinon vous dire oh, comme ça de toute façon m'y reste calme, la mémoire va arriver. Maintenant nous arrivons à surmonter le truc, nous connaît, faut pas affoler. Ouais. Mais il est vrai que les premiers temps c'était, mais vous voulez dire exactement le mot dans l'ordre, faut pas tromper, ouais. Etc. Maintenant ça y est, on nous faisons confiance. Quelqu'un qui parlerait anglais et qui sait pas trop parler anglais. Voilà, donc voilà, mots, voilà. Des substituts, comme ça on appelle ça. Donc en général non. En général voilà, en général non, nous, ma mémoire elle est assez fidèle pour le moment. Bon, donc mon appoint. Gâté par la nature. Au voilà. Voilà, pour le moment, hein. voilà, pour le moment. Peut-être que m'y connais moins de textes que mes autres collègues que les là depuis 2000. Donc, ouais. Comme arrive 6 ans après, donc, m'en a moins de textes en mémoire. Donc, m'y peut permettre à moi encore de. L'histoire de la Réunion, je trouve qu'elle est un petit peu. Bon, il y a l'esclavage, bien entendu, c'est quelque chose d'essentiel, d'être très important. Mais pour moi, il n'y a pas assez de preuves de patrimoine sur la. J'étais un petit peu déçue pour ça, surtout que j'arrive de la région des Pays de Loire où on a un château tous les 500 mètres. Enfin, j'exagère un peu, ouais. Mais tu vois. Et vous avez 10 000 ans d'histoire là-bas, voilà. Alors que nous on n'a que 350 voilà. Ans d'histoire. Donc ça c'est bon. Mais par contre, la cuisine c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est on se régale tout le temps. Et ce mélange de gens, hein, les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, les rouges, les. Enfin bref. Pour moi, ce n'est pas un problème. C'est pas un problème. Ça ne l'a jamais été. J'ai un beau frère. Moi, j'ai un beau frère africain. Déjà, personnellement, en métropole, je me sentais un petit peu métisse, entre guillemets, parce que ma mère venait d'un autre coin de la France. Donc, t'es toujours un peu considérée comme différente. Ça, c'est des vrais. C'est haricots rouges. Haricots rouges. Ouais. Et où assaisonne ça, comment on l'a? Ouais. On l'a fait cuire déjà dans l'eau. Oui. Et après, là, assaisonne un petit peu. On m'a fait aussi des épices. Ouais. Et après, on l'a fait. Sinon, ouais, là et le thym, un petit peu de sel. Un petit peu de sel aussi, d'accord. Hein, voilà, hein. Là, il est bon, il est presque bon, hein. Oui, il y a un instant, il est bon. Un instant, il est bon. Et moi, maintenant aussi, il n'y a plus rien sur le feu là-bas. Il faut mettre toute la table et dire qu'il est bon aussi, là. Hein. Un petit instant, il est bon, là, non?
Les bons, les boîtes, Patrick, à l'instant. Hein. Patrick, attends, comme ça, les bons affaires alors. Tu sautes les bons, alors. Oui, elle a fini. Bon, elle a fini. Comment on la monte, mon petit coup. Comment ça se fait, on l'attrape, panier, on la met dessus là. Non, on n'avait pas le faire. Ça, il fait ça à la chinoise. Ah ben oui, ben t'es. Côté, ça est bon ça. Et ça allait avec le bon petit bread de la couleur là-dedans. Là. Oui, ben. Hein? C'est bon, hein. D'accord, alors ben nous va goûter un petit instant, on va voir. Eh, on va le mettre ici à présent. D'accord. Donc Bernard, il n'y a pas rien. Ah non. Bien dit, Bernard. Nous y aime, quand c'est qui Bernard. Ben. Hein? Non, mais Patrick, t'as vite fait ça dans l'affaire comme ça. Il est bon là. C'est pas des moyens, hein. La couleur est jolie, tout. C'est bon? Écoutez. Ah bien, oh dieu. Qui manque un peu. Manque un petit peu de sel? Un petit peu de sel dedans. Ça, il manque. Hein. Oui. Non, mettez pas trop. À quoi le malbaton, écoute, mettez toujours dans le paume de la main. Parce qu'il a déjà là-dedans, même il a le meilleur goût. Cuillère, là, tu n'as pas le goût. C'est vrai malbaton, on a déjà là. C'est vrai malbaton, là. Goulou. Non. Et va se raconter des histoires. Raconte-moi des histoires. Donc, va se raconter des histoires parce que, après, de mon garde. De mon garde. Il dit, maintenant, raconte des conneries. Dis-moi un petit coup d'histoire, alors. Quelle? Ah, des histoires, oh. Vous mesurez 1m14 ou à mes yeux 1m10 là. C'est Kali, c'est quoi dès que j'en arrivais. T'as pas pu écouter une émission sur Radio Freedom. C'est-à-dire, on a deux mondes là, le môme à l'extérieur, le môme à l'intérieur. Allez, le môme à l'extérieur. Dans le poids de son avec le poids descend. Donc vous mesurez 1m74 et puis de temps en temps mesurez 1m70. Vous diminuez ou là? Fais mesure grossir ou petit si. Ou tasse. Le bancal, le bancal. C'est bon, mais arrête, mais ça va avoir un bon amoté. Non, mais ça dit un petit coucou, Mireille. Dis un petit coucou, Mireille alors. Mireille, l'autre jour, on a parlé de où, mais m'oublie dans mon nom. Mireille, coucou. Mireille est Saint-Leu. On a un drapeau houleur. Il flotte bandé dans l'air. Kabat libre, le ciel, la terre, look sont trois couleurs. Côté le mât, les bleus pareil un toile, percale. Un percale bien lavé, ça la toile travailleur. Jacques Brel l'a dit, le talent, c'est l'envie. Si on a vraiment envie d'apprendre, d'exprimer à haut dans un domaine, ben, où va exprimer un certain talent. Ah. Et ben, la richesse de la culture créole. C'est une façon de vivre. C'est, pour moi, la poésie, c'est tout. Ça va de la façon de vivre, la façon de recevoir, la façon de comprendre l'autre. Enfin, la poésie, c'est un peu tout. C'est mon ardent de foin que m'y fait les bleus, que m'y regarde. Enfin, la poésie est partout un peu. Et en fait, le fait de retenir les textes, c'est que nous joue et nous mange les textes de journée. Et en fait, c'est un peu comme une imprimante, notre affaire. Et après, chacun essaye de donner une atmosphère du peu. On essaye de donner une atmosphère que les mis dans le texte. Le charme, vraiment, c'est d'arriver à transmettre ce que le poète a voulu dire. Quoi. Ça fait le buffet qu'il y a là ? Ben. Hein, le petit lavou, là, ben, il commence à casser, il fait mettre des là. Même si tu peux être sur moi, hein. Il reste encore une semaine là pour mieux, hein. Oui. Mais bon, alors la semaine prochaine peut-être sera meilleur, hein. Voilà. Et le gros oignon vert, pareil, la corne bœuf là, l'a pas utilisé, non. Si, la rentre dedans, les. Tu mets dedans. Ben non, c'est encore, je dois mener un camion là. D'accord. Mais on a quelque chose de dire au plan, c'est pas possible, comme ça. Ces oignons la cour ici, mais connaît pas un de cheval ou quoi. Quand ça le grossier. Qu'est-ce que ça le grossier. C'est pas possible, quand les oignons commandés. Oui, c'est un oignon comme ça. Ah, moi, première fois, moi, ça. Première fois, moi, les oignons comme ça. Ah oui, on est dans le canal austral. Canal austral, même encore, mais ici, encore, en plein, parce que l'émission est très. Il est très demandé. Il y a beaucoup de monde, peut-être, qui voudrait exprimer ça de ce canal. Mais quoi, où il est le seul à donner la chance à plusieurs personnes. Mais pense que ce canal-là va durer toute la vie. Même la pula. Quelle la pula, c'est au dos. Même le roi des autres va toujours dire. L'hôpital fait une petite intervention là au pila. Non, on revient après. On revient après, bon. On prépare le petit buffet, nous mettons un petit table, nous profitons de la même petite table là, nous connaissons pas Chiva rentre tout. Nous va essayer de faire rentrer. Ouais. J'essaie de rentrer pour le mettre sur le bord de la table. Mais bon, alors, okay.
Et bon, il rentre, là, il devrait bon, rentrer. Patrick est arrivé un petit peu après. Ah, Patrick, ah, mon nom, ça allait à rue là. Ça que la porte est finie, allez, ok. Mais bon, Patrick, que ça nous fait là encore là. Chauffe un petit peu le canard. Chauffe un petit peu le canard, alors. Ouais. Hein, moi, comme ça, demande. Eh, vous m'avez dit canard ou bien canard? Canard. Là, nous sommes mangés. En fait, il veut encore lui, mais seulement on a plus la place. Sur son assiette. On n'a plus la place. Ah, ben là, il vient. Là, il a cassé. S'il n'a pas cassé, il pleure. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, nous t'es bien servi ce soir. On va dire merci. Merci, cuisinier. Et zigzag en passant, mon âme est bien bon. Ah, là, c'est un caricana, fumé. Canard fumé. Le porc au bras de la cour, le rôti de porc, les grains jaunes. Et puis après, bien entendu, super. Le super. Hein. Voilà. Miam, je toute. Allez, bon, bon, bon appétit. Ah, merci, merci, merci. Bon, comme ça, on est dans l'assiette. Bon, là. Puis bon, il y a ça, là. Ah, ça, il poit qu'il paye la douane, mais seulement ça, c'est bon quand même. Il paye la douane. Ah ben, ça, son problème. Ah, c'est Jean-Claude, nous mange bien. C'est tout canal hostal. Ça, elle est vraiment le dynamite, ça. Mais regarde ça, où est la vie, ça, où on vient, on fait pas rien, on se là, ils vont plein. C'est pas parce que si on avait du théâtre avec nous, ben, on avait des gens qui font de la poésie avec nous. Ben, ou si, ou là, on attrape un petit peu le virus, ou là, ce soir-là. Non, mais là, on est bien servi, on mange bien parce qu'on a cuisiné là, cuisiné là, cuisiné là. Cuisiné là. Ok, alors, ben, merci beaucoup. Ah, vous comptez à vous, merci. Merci à vous, même Jean-Claude. Hein? Parce que, ben, tu repas, il fait ici, là. Là, on a une équipe, là. Un trio, là. Ah, là, le trio. Le trio. Sans pire, sans pire, une équipe qui gagne, Toto, hein. Mais bon alors, hein, okay, pas... tout est bon. La semaine prochaine encore, là, hein, bon. Hein oui. Mais bon alors, hein, Nicolas, pas que ça a fait mardi prochain. Hein, le mardi, c'est un jour, le vendredi, c'est un autre jour. Hein, et chaque jour suffit à sa peine, et chaque jour suffit à chaque jour. Chaque jour, voilà. Mais bon alors, ok. Entends-tu au loin cette rumeur océane? Écoute ce frémissement du terroir qui se dresse en montagne pour clamer aux oreilles du sourd que mon île a une âme. N'entends-tu pas son âme en ton âme? Façonner la glaise de ton sang, la force de ton chant, où poussent les paysages d'un peuple corallien. Récif de madrépore, et race de sang mêlé, oui, mais ce cri n'est point bâtard, c'est l'âme d'un peuple raciné de fierté. Ce peuple ne sera jamais plus esclave. 1848 a semé les noces du rire pour le travail de nos mains, et l'arche de liberté, posée au sommet de tous les calvaires, n'a pas encore déversé au centuple sa moisson d'égalité et de fraternité. Car trois siècles d'histoire nous ont raconté l'histoire des grands voiliers, vaisseaux négriers ou voiles blanches d'espérance, cales rompues ou chaînes brisées. Cette histoire, par les descendants d'esclaves et par les descendants des maîtres d'esclaves, aujourd'hui et encore et demain, doit s'écrire en commun. Au silo des poètes, la parole continue à fleurir. Pour que chaque réunionnais porte en son cœur des milliards d'étoiles au rayonnement créateur. Que notre peau soit noire, jaune ou rouge, nos veines profondes portent des vols d'oiseaux et des sirandanes, avec les comptines et les sirandanes de nos ancêtres qui ne sont point la Gaule et ses Gaulois. Et puis, de sagesse et d'audace, nous savons bien que l'on n'étouffe point la source du sens et le feu du devenir. Nous sommes capables de pardon et d'amitié. Nous sommes capables, en brisant la peur, pour espérer d'empêcher nos enfants de venir cracher leur suicide sur nos tombes. Nous sommes capables de gréer notre bateau et de le maintenir à flot sur les mers australes, cherchant ensemble cette larme qui essuiera les larmes de tous les visages. À travers les champs de canne, à travers le géranium et le vétiver, les paysans de chez nous ne s'y trompent pas. Ils s'habillent de cette force qui colle à la terre et la soulèvent en récolte nourricière pour une civilisation qu'ils espèrent, tranquille et forte, comme autrefois la prière à l'Angélus du matin.
au temps de Durès et des cages de béton. Sois donc partisan de l'homme et de l'homme libre. Sois partisan d'un peuple et d'un peuple libre. Écoute, écoute encore l'Alizé clamer que ton île a une âme. Une âme baignée par le vent du grand large qui t'emporte plus haut que les vallées et les collines là où la profondeur de la paix n'a de nom que le berceau des villages. Quand l'Alizé souffle de son sud invisible, entends-tu au loin cette rumeur océane? Écoute ce frémissement du terroir qui traverse sa montagne pour clamer aux oreilles des sourds que notre île a une âme. Monte dedans, mais monte à une à tout mon dent. A dit c'est bon l'esclave, il garde mon épaule, garde mon bras, passe la main. M'a vimpé la graisse sur mon corps, tout moi, la graisse bœuf. Ben, n'y trappe, au moins, m'y glisse. Mettre de l'huile en l'air, m'y glisse dans le four. Mal arrivé, ben, à l'avant, à moi, moitié. Enchaîné, le pied, les deux bras, l'avant, à moi. T'es vendu ça aux enchères. Ben, écoute, qui ça la sauve à moi? Ces femmes blanches, là, je la sauve à moi. Après, nous la tombe amoureux. Blanc là nous la tient. La guerre revolver, c'est là la liberté, la vie. Ouais, voilà, on ne veut pas. Oui, parce qu'un carré. Après, on a revenu à Massalé, il y a une bonne idée. Non, Massalé n'a mené. Non, on a revenu le Kabouima. Le Kabouima m'a trouvé. Oui, nous disons, en plein descente. Après, voilà, on va faire un petit séjour. Pas de problème. C'est sympa. Allez, on retrouve la prochaine fois, alors. Allez, mais big up, Canal Austral. Allez, bientôt. Merci. Allez, à très bientôt, alors. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, on retrouve la prochaine fois. Moi, c'est toujours un plaisir de venir ici, M. Coindin. Ou de manger les bons, ou de télé, les corrects. Les bons. Les bons intelligents. Donc, il vaut le coup. C'est un oxygène. Allez, bon, nourrir. Il m'a gratuit, c'est normal. Allez, nous retrouvons. Non, allez, voilà, m'y embrasse à vous. Allez, nous retrouvons. Merci pour tout. À très bientôt. Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci. Passez une super soirée. Merci. 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 Là, oui. Voilà. On est un petit peu plat emporté aussi, mais pas beaucoup. Ah bon, d'accord. Mais bon. Allez, bientôt, à la semaine prochaine. C'est bon. Plaisir créole avec Soleil Réunion. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.